Je suis Régis Goujon, professeur de chimie appliquée à l'œnologie à l'Institut universitaire de la vigne et du vin Jules Guyot. Et je suis chercheur au sein de l'équipe physico-chimie de l'aliment et du vin qui fait partie du laboratoire PAM. Nos recherches portent sur l'étude et la caractérisation de la qualité chimique et physico-chimique des vins de Bourgogne. Cela consiste concrètement à la combinaison de différentes approches, des approches analytiques moléculaires de type métabolomique qui permettent de caractériser la complexité chimique des vins et leur évolution, et d'autre part des analyses physico-chimiques qui mesurent soit la capacité antioxydante des vins, soit les propriétés de perméabilité à l'oxygène des obturateurs. Comprendre la qualité, le développement de la qualité d'un vin, c'est par exemple expliquer pourquoi et comment le contact du vin avec le bois lors de l'élevage en fût ou le contact du vin avec des lies qui sont riches en glutathion permet à ce vin d'apprendre à se protéger vis-à-vis de l'oxydation. Notre rôle est d'accompagner la filière dans une prospective d'avenir qui est caractérisée soit par le développement de pratiques plus écologiques, avec notamment la réduction d'intrants, que ce soit le cuivre à la vigne ou les sulfites en cave par exemple, et également dans un contexte de modification climatique. Comprendre la chimie d'un vin, c'est finalement essayer de comprendre comment ce petit laboratoire, qui est une bouteille par exemple, rempli d'un liquide qui est constitué de plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de composés, comment ce petit laboratoire évolue en réponse à des réactions, des réactivités naturelles entre composés, selon des lois de la chimie.